Ce qui s'est passé, c'est qu'on joue au match de football dans les règles de l'art avec un arbitre qui est censé arbitrer sans parti pris. Et le match se déroule sans problème jusqu'à ce que le CAS amène au score et que le match se déroule jusqu'à la fin du match, l'arbitre lui-même qui désigne 4 minutes d'arrêt de jeu. Il fait jouer 7 minutes d'arrêt de jeu et après il siffle un penalty sur une faute de main d'un joueur du CAS Sport. Alors que sur cette même action, c'est le joueur de Pékin qui fait en premier la faute de main. Donc, il y a une accumulation de je ne dirais pas d'erreur, hein, à la limite de décision prise, mais volontairement pour empêcher au CAS Sport de prendre les 3 points du match. Alors, à la fin du match, naturellement, les gens, les joueurs, mais surtout les supporters, montrent leur colère vis-à-vis de l'arbitre. Et c'est les supporters de l'AS Pékin qui s'en mêlent. Il n'y avait rien qui opposait les supporters du CAS Sport à ceux de Pékin. Les supporters du CAS Sport venaient faire savoir à l'arbitre leur mécontentement sans violence. Et c'est les supporters de Pékin qui se mettent à lancer des pierres. Il y a des dirigeants qui sont blessés, des supporters qui sont blessés. Et même des dirigeants de la Ligue Pro qui sont blessés avec les jeux de pierres des gens de Pékin. Et nous sommes encore au stade 45 minutes après le coup de sifflet final. Nous sommes bloqués au stade parce que tout autour du stade, les supporters de Pékin sont armés de pierres pour s'attaquer au bus du CAS Sport supporter. Nous voulons être très clairs et que chacun prenne ses responsabilités. Nous allons recevoir Pékin à Ziguinchor. Que chacun prenne ses responsabilités. Nous l'affirmons avec force. Nous dégageons toute responsabilité par rapport à ce qui pourra se passer lors de la réception de Pékin à Ziguinchor. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, les arbitres qui nous viennent de Tambacounda, nous en avons marre. Signaté n'en est pas à son premier coup d'essai. À plusieurs reprises, il a arbitré et sacrifié les intérêts du CAS Sport. C'est pourquoi non seulement nous récusons Signaté, mais nous récusons toute la CRA de Tambacounda. Et demandons à la CCA et à la Ligue Pro de prendre les responsabilités. Nous ne voulons plus d'arbitre de Tamba, aussi bien à Ziguinchor qu'à Dakar ou ailleurs. Parce qu'au cas échéant, les conséquences, il faudra que tout le monde les assume. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ce qui s'est passé ce soir. Oui. Alors, Dembara Matangay, directeur technique du CAS Sport, ce match se termine avec des incidents émaillés ici et au centre du problème, c'est l'arbitre. Oui, bien sûr, au centre du problème, c'est l'arbitre. Vraiment, il a très mal jugé. Et je ne peux pas comprendre que deux fautes simultanées, la première faute ayant été commise par le joueur de Pékin, il ne siffle pas. Le joueur récupère, il frappe, le ballon touche la main du joueur du CAS Sport et il souffre. Mais s'il y a faute, si un joueur de Pékin touche le ballon, il n'y a pas d'avantage. C'est dans la surface de réparation du CAS Sport. Mais quand le joueur de Pékin a fait la faute, le ballon n'est même pas revenu au CAS. Le ballon est allé encore à Pékin. C'est là où il devait siffler. Il n'a pas sifflé. Et le joueur qui frappe, le joueur du CAS qui se défend, le ballon frappe sa main et il suffit un pénalty. Là, c'est, on ne peut pas comprendre. C'est vraiment du n'importe quoi. Et vous savez, c'est quel trio encore? C'est le trio de Tamba. Moi, depuis 2012, j'avais demandé à Siaka, j'avais demandé aux gens de récuser les arbitres de Tamba. Je vais vous donner le pourquoi. À Ziguinchor, en 2012, vous vous rappelez CAS Sport Djamba? Le CAS Sport avait besoin seulement de match nul pour être champion du Sénégal. On était le match nul, c'était les arrêts de jeu. À l'époque, les gens se mettaient à la tribune découverte, pas à la tribune couverte. Le même trio de Tamba, ils disent que dans le temps additionnel, il restait 2 minutes à jouer. Ils disent qu'ils ont reçu une pierre au genou. Mais pendant que tu as donné dos à la tribune découverte, tu as reçu l'arbitre central qui dit l'arbitre te touche a reçu une pierre au genou, il ne peut pas terminer la partie. Ils sont en sécurité, en insécurité. On arrête le match, verdict, le CAS perd le match. Donc il fallait que le CAS gagne
à Sali pour être champion et nous sommes allés gagner à Sali. Et j'avais demandé à l'époque, à Siaka, à tout le monde, de récuser ces arbitres de Tamba. On ne l'a pas fait et voilà encore aujourd'hui les arbitres de Tamba. Alors, Pikine doit venir à Ziguinchor. C'est déjà, déjà un incident peut-être qu'il faut déjà désamorcer. Oui, Pikine n'a rien fait. Il n'y a pas le foot de Pikine. Maintenant, ce qu'il faut dire, on va récuser les arbitres de Tamba. Si jamais que maintenant la CCA programme des arbitres de Tamba à Ziguinchor, si jamais qu'ils passent à côté et les gens ne sont pas contents, la responsabilité incombe à la CCA, à la commission centrale des arbitres. Mais dans ça, Pikine, je crois que le club Pikine n'est pas fautif, c'est l'arbitre qui est fautif. Voilà.